Vous avez contenu l'offensive de la FPU. L'Avatar sera heureux de votre succès. Chorale terminée. J'y crois pas. T'es peut-être pas qu'une simple femmelette. Modèle d'unité transmis. On passe vite là, parce qu'il nous faudra rapidement le texte supérieur. Il est temps de riposter. Votre cible principale est le commandeur FTU. Il y a 3 bases de la FTU sur les îles entourant votre position. Le commandeur ennemi est dans l'une d'entre elles. Trouvez-le et éliminez-le. Chorale terminée. Zone d'opération élargie. Là, on va se mettre bien en ligne. Nous l'avons détecté sur l'île du sud-est. Prenez une position d'attaque. Chorale terminée. Alors, objectif. Des tours à base terrestre en haut, à base navale au sud et à base aérienne à l'ouest. On va déjà dégommer toutes les bases avant de s'occuper du commandeur, ce qui va se replier en fait sur sa base là. Oui, vous reconnaissez la map. Hein. C'est celle où on était avec la FTU avec le colonel. Il était sur ce style-là, il va mourir là. Cette fois-ci, non. Ça sera à nous de abattre. Bah bon, le problème, c'est que leurs navires, ils peuvent tirer sur vos fortifications. Et... Tant que vous déployez vos propres navires, ça peut parfois prendre un peu de temps. Ils vont envoyer plein de vaisseaux de combat depuis cette position-là, donc faites attention. Ma priorité, c'est vraiment de neutraliser les deux bases déjà périphériques puis avant de m'occuper de cette dernière. Ça, c'est le croiseur. Voilà. Le croiseur avec ses missiles longue portée peut vraiment être un problème. Ça c'est un missile ça. C'est vrai que vous êtes habitué à ce que je mette pas d'ingénieurs sur mes navires, mais parfois c'est important. Voilà. Il faut vraiment que je maintienne leur flotte en miettes. Non, c'était des canons de destroyer. Ouais, c'est ça. Donc voilà, on va construire maintenant plein de destroyers, pas de cuirassés, excusez-moi. Là c'est un autre destroyer qui est sur ma poursuite, tu vois. Mais bon. Tirer là-bas.
Hop, hop, hop. Ah, cette torpille a été jetée sur lui. Ah, c'est aussi sur lui. Alors, voilà. Là, on va construire un radar ici. Un radar là. Un sonar là. Voilà. Bon. Voilà, donc là le but c'est vraiment de fortifier au maximum mes positions. Et j'ai parfait. Alors, je mords une fois parce que je m'étais fait submerger ma base. Une autre fois parce que j'ai tenté de faire un truc de fou. C'est que j'ai envoyé mon commandant. Non, non. Lui c'est le commandant. Donc j'aurais évité que vous tiriez dessus. Oui, Cynthia c'était le commandant. Donc une fois j'ai mon commandant ici, s'est fait exploser par la faute ennemie. J'étais à 30 et quelques minutes de game pour à peu près au même stade que... Enfin, dans un stade un peu moins bien. J'avais perdu entièrement ma base navale. J'avais eu beaucoup de dégâts. J'avais pas eu autant de facilité pour les deux premiers raids, en tout cas. Chevalière, l'avatar veut que vous éliminiez le commandeur FTU immédiatement. Coral terminé. Pas possible. Donc, on va construire un peu plus de destroyers pour pouvoir non pas faire le siège là, mais faire le siège naval. Et surtout pouvoir repousser leur assaut naval. Ici, je ne sais plus vraiment ce qu'il y a. Je sais qu'il y a beaucoup, pas mal de défense antiaérienne. Il y a pas mal de défense navale aussi. Donc, il faudra se méfier un peu. Donc, vous pouvez pas me dire au contraire, c'est quand même sacrément bien. Par rapport aux autres factions, je trouve qu'ils sont vraiment trop stylés quand même, les ailes. Vous pouvez pas me dire au contraire. Vu que, en fait, sa faction la plus innovante, je trouve, niveau idée graphique, c'est pour ça que je l'apprécie autant. Non, toute leur flotte va m'arriver sur ma gueule, ça me surprend même pas. Donc préparez-vous à ce qu'on ressort tape une flotte là. Ouais, ils ont tiré sur des leurs, je me dis. Mon commandant lui va peut-être dégager un peu quand même. Voilà, j'admets que ça va être peut-être un peu plus violent que... Parce que j'ai quand même beaucoup plus de tubes en torpille, notamment. Et que ça aide beaucoup. Voilà. Donc je mobilise ma flotte, voilà. Pour un bombardement naval. Je mobilise une escadron d'éclaireurs aussi. Par contre, ce qui est surprenant,
C'est que mon radar n'était que ça. J'aurais pensé qu'il y avait plus de choses. En défense. Alors pourquoi Sun n'arrive pas. Sun n'était pas détecté par. Vous avez vu, une partie de défense navale n'était pas détectée par mon radar. Alors que c'était bâtiments de surface. S'ils étaient sous-marins, oui. Donc là, vous voyez que niveau défense, ben. Y a pas grand chose, hein. Y a quelques défenses aériennes, etc. Mais bon. Ma flotte en soi va pouvoir faire le travail tout seul, hein. On va pas se mentir. C'est des ingénieurs, ça. Donc il est sous l'eau. La fin du jeu approche et tu vas perdre. Ah, il est là, ça doit être lui. Voilà. Ma flottille en haut fait le boulot. Les usines tombent, la base tombe, la flotte ennemie va être détruite. Bon, ça fera quand même un bon point de moins, croyez-moi. La base navale de la FTU est en ruine. Corral terminé. Après, je me pose une question, ils ont peut-être corrigé un truc. C'est possible que j'ai pas détecté les bâtiments en haut parce que c'était pas un sonar. Je sais qu'à une époque on pouvait détecter les bâtiments là. Après, bon, ça fait un... Ah, c'est peut-être Forgot Alliance. Ouais, c'est peut-être Forgot Alliance, c'est pas donc le jeu d'après. Quoi qu'il en soit, la flotte fait le boulot. Voilà. Voilà, voilà. Ces usines-là en moins sont non négligeable, hein, ça fera vraiment le nord sera maintenant sécurisé. La base terrestre n'est plus une menace, chevalière. Corral terminé. Voilà. Donc là, je vais construire vite fait ça. Je vais revenir là. Et là, je vais construire mes usines. Alors, je mets toujours un espace de 2 entre chacun. Je pourrais les coller, mais je vais juste vérifier que c'est bien tout un espace de 2, c'est ça. Parce que je préfère, c'est tout. C'est une préférence là-dessus. Je vous invite à faire beaucoup d'intercepteurs, même si vous les perdez, vous en fichez des pertes, hein. C'est un des rares jeux quand même, je vous dis, où vous en fichez des pertes.
Donc voilà, après l'avantage c'est qu'avec toutes ces aiguilles en plus, vous aurez beaucoup de masse. Nous sommes certains que vous pourrez vaincre le commandeur FTU. Chorale terminée. Là, on va lancer ça. On va lancer ça. Il n'y a aucune défense navale sur la dernière île, je vous rassure. Les intercepteurs sont juste là pour faire rebouer l'intercepteur. Hein. Et pour prendre des coups à base de. Ouais. Le mec c'est pour un mon assaut hein. Mais l'avantage c'est que mes navires étaient, enfin mes dards, ah j'ai quasiment tous perdu tiens. Donc à défense ça ne tient rien à du focus ça. Enfin, mes unités aériennes. La base aérienne a été détruite. Chorale terminée. Un bon focus de l'IA. Youhou. Allez, on met ça en vitesse max. Après, une fois qu'il aura fait ça, il ira construire toc 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 toc. Il reviendra ici, il va me construire. Voilà. La FTU sauvera la galaxie de vous autres, fanatiques. Alors, ça peut surprendre ce que je suis en train de faire en fortification. Ouais, j'essaie de protéger un peu mon port au cas où d'un raid. Hein. C'est vrai que mes... Vérifiez vos objectifs si nécessaire, commandeur. Quand j'organise mon aval, c'est vrai que c'est moins bien organisé que le terrestre. Ça, je vais pas le nier. Hein. Parce que c'est totalement vrai. Hein. Quand j'organise une défense, une ligne terrestre, c'est largement mieux fait avec les boucliers et tout ça. En aval, là, je mets un petit truc rapide, c'est uniquement pour essayer d'éviter que l'ennemi rentre dans mon port et dise bonjour, je suis là, je te pète tes installations navales. Et tu fais quoi maintenant? Voilà, c'est dans cette logique-là. Que j'installe ses défenses. Je ramènerai l'ordre dans la galaxie. Et bien évidemment, on va construire aussi quelques défenses aériennes. Chevalière, l'avatar veut que vous éliminiez le commandeur FTU immédiatement. Chorale terminée. Et toi, tu vas retourner ici après. Voilà. Ça demande combien de temps? 3 minutes 57 par destroyer. Alors, il est vrai que j'ai pas précisé, mais les unités aéones navales sont ultra spécialisées. Le destroyer n'a aucune défense antiaérienne, par exemple. Le croiseur, mais par exemple, une très bonne puissance de feu. Le croiseur a de très bonnes défenses antiaériennes, par contre, n'a aucune attaque vraiment à longue portée comparé à la FTU qui a quand même une plutôt grande puissance de feu, ou les cibrons qui peuvent ravitailler les unités navales, enfin les unités aériennes. C'est ce qui différencie beaucoup c'est ce qui différencie de factions surtout. En
enfin les factions entre elles, c'est que les Aeon niveau naval a vraiment une particularité, c'est que ces unités ont vraiment qu'un seul rôle. Touk touk touk. Orne, je te repère et je vais te bombarder la gueule. Toc 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 toc. Le commandeur FTU a quitté le secteur. Poursuivez-le et tuez-le. Choral terminé. Modèle transmis. Chevalière, le commandeur FTU a quitté sa base principale. Poursuivez-le et tuez-le. Non, non. Et arrive dans sa base principale plutôt. Je suis désolé. Ça, c'est la base principale qui nous attend. Des croiseurs encore. Oh mince, elle est détruite. Par contre, vous regardez, j'ai toujours des unités de Tekken au niveau du sol. J'ai fortement monté au niveau de ma flotte, mais au niveau des unités terrestres, je suis vraiment prêt. Pas dû être capturé, ça c'est une insulte. C'est vrai que je suis rentré à Bourrin avant d'attendre mes croiseurs, ce qui est une erreur. Quelques croiseurs. Harmonie en vous, chevalière. Pardon pour cette interruption, mais la princesse souhaite vous parler. C'est très important. Bonjour, chevalière. Nous n'avons pas pu être présentés correctement, mais j'ai quelque chose d'important à vous dire. Le commandeur FTU que vous affrontez s'appelle Zachary Arnold. Il détient la clé de notre futur. Si vous le battez, il se rendra. Une fois qu'il aura baissé ses armes, amenez-le-moi. Je place toute ma confiance en vous. Bon, j'ai quoi ? Bah, pour comme la défense terrienne, c'est pour éviter ce genre de raid. Informé que la princesse vous a contacté, chevalière. Vous devez l'ignorer. Je suis votre supérieur hiérarchique. Et si vous me désobéissez, les répercussions seront graves. C'est bien clair. Je vous tape. Notamment s'il peut me faire péter le radar, ça m'arrangerait. Il me faut des destroyers en fait. Ne vous préoccupez pas de l'avatar, Markson. J'ai vu votre futur. Vous serez en sécurité. Continuez votre mission, commandeur. Bon bah très bien. J'aimerais juste avoir mes destroyers en fait là. Vous mentir, j'aimerais bien avoir mes destroyers pour pouvoir continuer. J'aurais dû attendre en retrait avec mes destroyers, j'ai fait le con. Je me suis légèrement senti pousser des ailes, j'admets.
Ah, ils tirent, passent par-dessus. Ah, ils ont vraiment un tir au but. Nous avons détecté une importante force navale à la base de la FTU. Elle se place en position d'attaque. Préparez-vous à une offensive navale. Vous ne conquérerez jamais ma tarte. Je vais ajouter ta tête à ma collection de trophées. La force navale a été vaincue. Continuez votre offensive contre le commandeur Arnold. En fait, la force navale, je l'ai plus ou moins déjà détruite en attaquant tous mes premiers navires. Il ne restait plus que les sous-marins, comme vous avez vu là. Ouais. Voilà, là j'ai ma flotte qui est plutôt bien équilibrée. J'ai pas mal de. J'ai énormément de croiseurs, énormément de destroyers. D'ailleurs, j'en ai encore autant. J'ai un peu moins de croiseurs, je vais en perdre quand même. Pas grave. Les croiseurs tirent beaucoup de tirs, vous voyez tous ces petits tirs, c'est des tirs de croiseurs. Il fait des tirs doubles en fait. Mais les dégâts ne sont pas énormes par rapport à ce qu'on peut croire. Par rapport à un missile de croisière notamment, les dégâts sont vraiment nuls. Un missile de croisière, c'est un missile de croisière aussi. Donc c'est aussi différent. Les frégates peuvent être utiles parce que ça vous permet d'absorber des tirs de torpilles avec parce qu'ils ont des. Les frégates des Aeon annulent certaines batteries de torpilles étant donné qu'ils ont des leurres pour les torpilles. De plus, ces croiseurs. Les croiseurs ont en plus de quoi empêcher les missiles tactiques de toucher ma flotte, donc c'est pratique en plus derrière. Vous avez grillé mon tableau de logique. Je pensais que c'était impossible. Je ne peux pas bouger. Ne pas être pris vivant. Vous n'avez pas à mourir, commandeur Arnold. Votre destin est ailleurs. Écoutez mes paroles. Vous savez que je dis la vérité. Oui. Je comprends maintenant. C'est comme je l'ai vu. Emmenez le commandeur Arnold de Chevalière. J'attends impatiemment votre arrivée. Alors. Princesse Burke et Valtrice Stott, et je suis en copie. J'ai réussi, le colonel de la FTU, Zachary Arnold, a accepté d'avoir resté plus longtemps que prévu, mais il a finalement reconnu la vérité. Cette conversion, aussi satisfaisante qu'elle soit, nous a compliqué la vie. Il m'a parlé de la FTU et de ses projets d'armes redoutables en construction. Ces navires vont pousser d'autres commandeurs des Brandmark Sun et renforcer son pouvoir. Comment pourrons-nous trouver la paix quand tout le monde semble rechercher la guerre et la destruction? Et voilà, donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo en ma compagnie. Je vous dis à une prochaine fois, portez-vous bien. Et à tout le monde, encore merci d'avoir regardé cette vidéo en ma compagnie.